la position de garde, en fait, il faut essayer d'avoir la main à l'extérieur. Si vous l'avez entre deux, l'adversaire peut vous attaquer des deux côtés. Donc regardez, je vais attaquer. T'es prête? J'attaque. Hop, hop. J'ai touché. Et ça m'a pris une seconde. Qu'est-ce que j'ai fait comme action? J'ai fait ce qui s'appelle, répète-moi le mot. Feinte. Alors il ne faut pas confondre avec fente. Fente, c'est ça. Feinte, ça sert à quoi? Ben, ça sert à tendre un piège à son adversaire. Je vais le faire en ralenti parce que vous avez vu, ça a été très vite. J'ai allongé mon bras pour lui faire croire que j'attaquais au ventre, ici. Fais la parade et hop, je suis passé par en dessous et j'ai fait ce qui s'appelle un dégagement. Alors, on avait travaillé avant les vacances le dégagement. Bon, oui, on en avait parlé en tout cas. Un dégagement, c'est passer par en dessous. Appuie sur ma lame. Appuie sur ma lame. Hop, on passe par en dessous et on touche. Sauf que là, je fais une feinte avant. Et je peux en faire plusieurs d'ailleurs. Essaye de toucher ma lame. Hop, 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 hop. Jusque là, tout va bien. Et moi, je vais faire la parade. Elle passe en dessous et elle touche. Et on vient